Alors, la tradition de l'art celtique, ça, c'est pas quelque chose qui me parle. Parce que, justement, pour moi, l'instrument que j'ai dans les mains actuellement, c'est pas un instrument qui a bénéficié d'une transmission de génération en génération. Historiquement, cet instrument-là que j'ai dans les mains aujourd'hui, pour moi, il est hybride. Et il est pas, il y a eu plein de coupures dans l'histoire, en fait. Il y a effectivement des harpes populaires anciennes, des harpes médiévales, des harpes celtes, on ne peut pas vraiment le dire, en fait. Et donc, l'instrument que j'ai aujourd'hui, c'est un instrument qui a été reconstruit. Et donc, effectivement, quand on parle de tradition instrumentale, moi, mon truc que j'entretiens depuis pas mal d'années maintenant, c'est d'aller voir la lutherie et la pratique d'instruments à cordes pincées qui s'apparentent aux miens, mais qui, eux, ont bénéficié d'une vraie tradition historique dans laquelle il n'y a pas eu de rupture. Et donc là, effectivement, je vais plutôt regarder au Moyen-Orient, Asie centrale, Maghreb, etc. Je suis passionnée de lutte. Voilà. Effectivement, j'ai toujours voulu faire de la harpe. Je ne sais même plus d'où me vient cette idée. J'étais trop jeune, je l'ai oubliée. Voilà, mes parents m'ont dit que j'ai toujours voulu faire ça et que dès qu'il y a eu l'opportunité, je m'y suis mise. Et pourtant, je suis vraiment pas sûre qu'aujourd'hui, c'est l'instrument que je choisirais si c'était à refaire. Leurs initiales.
que tu as soigné durant 40 années dans la montagne m'ont envoyé au Manolo. Je te trouverai guérisseur de nos maux, guérisseur des secrets, bois à brûler pour te chauffer, ma vieille bagnole. Ta chair. Ce que tu as soigné durant 40 années m'ont bien caché que je trouverai seulement ta ruine pour m'apaiser. Guérisseur de nos maux, guérisseur des secrets, viens te disant que tu t'es envolé. Dans le cœur des hommes, ton nom est resté. Ta ruine est bien trop loin. Revenir à la place des hommes, revenir à la trace d'un chien, choisir les bonnes pierres pour marquer le chemin. J'aime mes deux vallées, je ne pourrais choisir, car je n'ai jamais su censurer mes désirs.
ligne d'argent sur tes poignets sera la trace que je te laisse. Marque de bronzage en imprimé, la seule trace qu'il me reste. Ce que tu as soigné, ne m'ont pas dit la vérité, pour que dans mon cœur j'aille la trouver. Guérisseur de nos maux, guérisseur des secrets, de mon mal à moi, comment aimer, oh ma.
J'ai un instrument qui est pas qui a une tension de corde qui fait que les dynamiques possibles sont assez réduites, qui a des résonances qui sont tellement extrêmes que ça lui apporte ce son un petit peu suranné, un petit peu léger, etc. Donc comment, si moi j'ai envie d'avoir d'autres moyens d'expression, d'avoir des attaques un petit peu plus moins propre, j'aime bien avoir des sons moins propres, trouver des dynamiques, pousser la dynamique de mon instrument pour imiter les instruments qui ont des cordes qui ont une tension beaucoup moins forte, et ben finalement cette recherche là elle est intéressante parce que mon instrument ne me convient pas tant que ça. Enfin voilà, c'est un petit peu là-dedans que je suis quoi. Elle a pris ma jetant par terre, disant je ne
Est-ce qu'il y en a cet homme de Babel, puis on nommera l'ombre.